Salut les championnes, quelle joie de vous retrouver dans cette chambre des secrets où nous nous cachons depuis des semaines pour être à l'écoute du Saint-Esprit, être à l'écoute de tous les conseils que notre Dieu a pour nous, pour faire de nous des femmes extraordinaires, des femmes qui règnent dans tous les domaines où il nous a positionnés. Ce soir encore, je crois que notre Dieu va nous conduire dans plus de profondeur, plus d'intimité avec lui, mais aussi plus de révélation pour manifester tout le potentiel qu'il a mis en nous. Alors, si tu viens de nous prendre en cours, reste en place, reste connecté, parce que ce soir, nous allons partager des choses très, très fortes. Alors, parce que tu es une femme de bénédiction, parce que tu es une femme extraordinaire, je sais que tu ne veux pas garder ces secrets pour toi seule. C'est la raison pour laquelle tu vas liker cette vidéo, tu vas inviter des amis, tu vas la partager afin que de nombreuses femmes puissent profiter de toutes ces bonnes choses que le Seigneur nous dit en ce lieu. Et nous l'avons dit, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous voulons donc invoquer davantage sa présence dans nos cœurs, dans nos esprits. Nous voulons nous disposer davantage à être à son écoute. Et c'est la raison pour laquelle nous allons donc nous disposer en lui confiant ces moments. Tu vas donc prendre la position qui te sied. Tu peux rester debout, tu peux t'asseoir, tu peux te coucher, tu peux te mettre à genoux et élever la voix pour demander simplement au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce moment. Père, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur Saint-Esprit. Viens et prends la place du roi dans ce lieu. Sois le seul maître à bord, le seul roi, le seul Seigneur, ô Dieu vivant. Et c'est pour toi que nous sommes là, Papa, parce que tu nous as donné rendez-vous ce soir pour parler à nos cœurs, pour nous restaurer, pour nous délivrer, pour nous étirer et pour nous propulser vers les destinées extraordinaires que tu as prévues pour nos vies. Merci, notre Dieu, de bénir ces instants. Prends le contrôle de toutes choses et à toi seul soit honneur, louange et gloire. Béni sois-tu, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, j'ai prié. Alléluia. Tu vas acclamer le Seigneur de là où tu es et tu vas envoyer un mot sur le chat pour souhaiter la bienvenue à ta sœur parce que nous sommes en train, n'est-ce pas, de former la communauté des femmes du secret. Ce soir, nous allons partager des secrets, comme je le disais, très, très importants. Et à travers les vidéos précédentes, on a pu voir comment est-ce que le Seigneur nous prépare à devenir des femmes qui impactent positivement leur environnement, des femmes qui plaisent partout où elles sont, mais surtout des femmes qui savent saisir la couronne que le Seigneur a prévue pour elles, le règne que le Seigneur a prévu pour elles, soit auprès d'un homme, soit auprès d'un patron, mais dans tous les cas, il y a une couronne pour chacune de nous que nous devons saisir. Et si nous l'avons déjà saisi, nous devons garder cette couronne. Alors, à travers ces enseignements, beaucoup de questions sont montées à nos cœurs. Et l'une des questions qui est revenue souvent cette semaine dans ma boîte mail, c'est celle-ci. J'aimerais bien savoir ce que mon mari attend de moi. Alors, ce soir, nous allons partager des secrets sur cette question. Qu'attends-tu de moi, chérie? Qu'attends-tu de moi? C'est la question que chaque femme voudrait poser à l'homme de sa vie. Alors, si tu es une femme mariée, ce soir, cette capsule est particulièrement pour toi. Si tu es une femme en cheminement, tu chemines avec un fiancé, tu es en voie de fiançailles, tu n'es pas encore mariée, mais tu es en voie pour te marier, cette capsule est pour toi. Et si tu es tout simplement une femme qui attend encore l'âme sœur, cette capsule est absolument pour toi parce que tu auras l'avantage d'avoir su avant de rentrer dans le mariage. Alors ce soir, c'est une capsule, oui, je dirais qu'on pourrait orienter mariage parce que ça va répondre aux questions que la femme se pose concernant ce que son homme attend d'elle. Qu'attends-tu de moi, chérie? C'est six choses que nous allons voir, six choses que chaque homme attend de sa femme. Alors, installe-toi pour Secret de femme. Que Dieu te bénisse abondamment. Je
ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, tu as pris ma place. Mon Dieu s'est livré. Non, je ne peux imaginer combien ça coûterait. Oui, à la croix, tu as pris ma place. Oh, tu t'es donné. Oui, il a pris ma place. Tu as pris ma place. Tu as pris ma place. So, tu as pris ma place. Seigneur, ce soir, nous voulons tu nous disposer. Nous voulons nous disposer à être à ton écoute, fidèle. Père. Parce que tu es celui qui a payé le prix. Tu es fidèle. Tu as payé le prix de tous nos échecs, papa. Tu as payé le prix de tous nos manquements. Tu as payé le prix de nos erreurs, ô Dieu vivant. Et en toi, nous retrouvons la victoire. Victoire que tu as acquise au prix de ton sang, Seigneur. Oui, tu as pris notre place, papa. Tu as pris ma place sur le bois de l'échec conjugal. Tu as pris ma place, ô Dieu, sur le bois du célibat chronique. Tu as pris ma place, Père, sur le bois de la frustration. Mon Jésus est amour. Tu as payé le prix par amour. Mon Jésus est amour. Et ton amour, Seigneur, m'a apporté une réponse. Ton amour m'a donné la victoire. Amour. Au prix de ton sang qui a coulé sur Jésus cette croix. Est amour. Non, Père, je ne peux pas imaginer amour. Le prix de ce que tu as payé, papa, pour que j'entre dans la victoire. Et je saisis cette victoire ce soir. Je la saisis par la je foi. Je ne peux imaginer. Non, Père, je ne combien peux imaginer. Ça coûterait. À la croix, tu as pris ma place. Tu t'es donné. Tu t'es donné pour moi, Seigneur. Je ne peux imaginer. C'est mon plus grand bien. Tous ces coups que tu as portés. C'est ce sur quoi je compte, papa. À la croix, tu as pris ma place. C'est dans ton sacrifice, Père, que je Jésus tire ma force s'est donné. Et mon espérance pour un avenir meilleur. Tu as pris ma place. Oui, papa. Tu as déjà payé tu le as pris prix. Ma place. Tu as pris ma place, Père. En jugement, pour que je sois rayonnante maintenant. Tu as pris ma place, papa. Pour que maintenant je sois victorieuse. Tu as pris ma place. Tu as pris ma place. Non, la défaite n'est plus mon partage. Tu as pris ma L'échec n'est plus mon partage. L'incapacité n'est plus mon partage, Seigneur. Tu es fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle pour moi, ô Dieu. Tu es fidèle pour ma sœur, Dieu. Mon Jésus. Et en toi, est fidèle. Nous triomphons. Mon Jésus. En toi, nous triomphons. Et nous triompherons Jésus encore, ô Dieu vivant. Fidèle. Merci. Fidèle. Jésus. Fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, Papa. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, 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 Seigneur. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle. Merci, notre Dieu. Nous sommes là venus pour te rencontrer. Alléluia. Shayanda bakara yandegerebe. Oh, toi seulement, Yahya.
sommes là, venus pour te rencontrer. Ya ya eh, ya ya eh. Je suis là, venu pour te rencontrer. Ya ya eh, eh. Ya ya eh, eh. Nous sommes là, venus pour te rencontrer. Ya ya eh, eh. Ya ya eh. Une dernière fois, nous sommes là. Nous sommes là, venus pour te rencontrer. Ya ya eh, 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 l'ami fidèle, ya ya eh, ya ya eh, oh. Ya ya eh, ya ya eh, oh, Yesu eh, Yesu eh, Yesu eh, Yesu eh, Yesu eh, Yesu eh, oh, oh, ya ya eh, ya ya eh. Ya ya eh, ya ya eh, ya ya eh, ya ya eh, oh, mm. Oh, mm. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Et à la croix, tu as pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, tu as pris ma place. Mon Dieu s'est donné, il est allé jusqu'au bout, il a porté mon péché, il a porté mes fardeaux. Oh, mon Dieu s'est donné, il est fidèle, tu es fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Bien-aimé, élève la voix et proclame la fidélité de ton Dieu. Dis-lui merci pour le souffle de vie qu'il t'accorde ce soir. Dis-lui merci parce qu'il ne t'a pas abandonné dans tous les défis que tu as connus pendant cette semaine qui est en train de s'écouler. Ton Dieu a été à tes côtés. Et même si tu as connu des défis, même si tu as rencontré des difficultés, la vérité, c'est qu'il est à tes côtés. Il est fidèle. Il est fidèle à ses promesses. Il t'a dit, ne crains pas, ne doute pas, ne jette pas des regards inquiets, car je suis avec toi. Ton Dieu est fidèle à sa parole.
Ses promesses sont oui et amen. Ce qu'il t'a dit, il le fera. Il le fera certainement. Et le prophète pouvait dire, même si la promesse tarde, attends-la. 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 Car la prophétie s'accomplira certainement. Ton Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il a payé un prix incommensurable pour que tu sois une personne bénie, pour que tu sois une personne heureuse, pour que tu sois une personne épanouie. Alors, pose simplement la main dans la main de ton Dieu, dans la main du Seigneur Jésus, dans la main qu'il te tend. Dis simplement, Seigneur, je veux te faire confiance. Je veux compter sur toi. Je veux croire en ta fidélité. Je veux croire en ton amour. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Merci Dieu vivant. Merci El Shaddai. Merci Jéhovah Jireh, Dieu de la provision. Oui, je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi. Je m'attends en toi. Béni sois-tu, ô Dieu. Honneur, louange, gloire et adoration te reviennent. Alléluia. Toi qui règnes au siècle des siècles, d'éternité en éternité, tu es Dieu, Papa. Tu ne connais point de limite, ô Dieu vivant. Tu n'es point limité par les frontières. Tu n'es point limité par les cultures. Tu n'es point limité, Seigneur. Tu es le Dieu omniprésent, omnipotent. Et en tout lieu, tu répands ta grâce ce soir, Seigneur. Merci de bénir une femme qui est connectée ce soir. Merci de permettre qu'elle ne reparte pas de ce lieu tel qu'elle est venue, Papa. Merci, parce que tu remplis, tu équipes, Seigneur. Tu, ô Dieu de gloire, tu disposes le cœur d'une personne à entrer pleinement dans sa destinée. Merci, notre Dieu. Et quelqu'un dit amen. Amen. Tu vas acclamer le Seigneur avec moi. Et nous allons entrer dans notre thème de ce jour. Bien-aimés, nous reprenons notre parcours vers le règne. Depuis quelques semaines, nous avons compris que nous sommes des femmes appelées à régner. Notre Dieu a disposé le règne pour nous. Il a disposé pour nous une couronne qui est celle que Dieu avait prévue depuis le jardin d'Éden pour Ève. Notre Dieu nous appelle à être des femmes de triomphe. Nous devons régner sur les situations. Nous devons régner sur les défis de la vie quotidienne. Nous devons régner dans notre environnement et, comme le Seigneur l'a dit, être à la tête parce que c'est ce que Dieu a prévu pour nous. Mais bien sûr, nous l'avons compris, en tant que femmes, nous ne sommes pas forcément le chef dans l'environnement où Dieu nous a placés, mais en tout cas, il nous a équipés pour le règne. Et nous voulons régner en tant que ces reines-là qui, comme Esther, peuvent être des instruments efficaces entre les mains du Seigneur. Alors ce soir, nous allons continuer notre thématique qui est celle de savoir ce que les hommes attendent de nous, ce que les hommes aiment chez les femmes, parce que si tu n'es pas une femme, tu es un homme, et si tu n'es pas un homme, tu es une femme. Cela veut dire qu'en tant que femme, dans ton environnement, il y aura toujours des hommes. Et si tu es mariée, il y aura cet homme-là, cet Assyrus, ce Adam que le Seigneur a positionné dans ta vie. Si tu n'es pas encore mariée et que tu es en marche vers le mariage, cet homme aussi, qui est l'homme de ta vie, est certainement à tes côtés. Et nous avons toutes, en tout cas, pour celles qui sont
remplis de l'Esprit de Dieu, nous avons toute envie d'être ces aides, ces aisères, ces femmes extraordinaires que Dieu a préparées pour cet homme spécial. Alléluia. Ce soir, nous allons étudier 6 choses que chaque homme attend de sa femme. Oui, bien-aimé, la semaine dernière, nous avons parlé de ce que les hommes aiment chez les femmes. Nous n'avons pas pu tout aborder et plusieurs parmi vous ont manifesté le désir que nous puissions rester dans cette thématique-là. C'est vrai que ce soir, nous avions prévu autre chose, mais nous allons suivre vos besoins, ou je dirais nos besoins à toutes, et continuer dans ce thème-là pour pouvoir être des femmes efficaces, pour pouvoir être des bonnes femmes, des femmes bénies auprès des hommes que le Seigneur a prévus pour nous. Donc, qu'est-ce qu'un homme attend de sa femme? Ou si chacune de nous devait poser directement la question à son conjoint, à son fiancé, à son cheminant, ce serait « Chérie, qu'attends-tu de moi ?» Nous allons procéder comme la semaine dernière. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons prévu parler de 6 choses, mais parce que nous voulons nous laisser conduire par l'Esprit, nous avons encore positionné, nous avons mis dans ce saladier les différents points, voilà, que nous sommes censés évoquer. Nous allons donc continuer à tirer pour que le Saint-Esprit puisse conduire nos mains et répondre aux questions qui sont attendues ce soir par une femme quelque part. Voilà, donc on a 6 points que je vais pas les citer. Voilà, je vais pas les citer, on va les découvrir au fur et à mesure. Donc si tu es prête, on va y aller ensemble pour répondre à ces questions. C'est un peu une session de questions-réponses, en quelque sorte. Donc, il y a 6 points que nous allons aborder ce soir et nous allons commencer à les aborder. L'objectif, c'est que, je l'ai dit, c'est que chaque femme puisse vivre en symbiose, en bonne harmonie, en bonne relation avec l'homme de sa vie. Et cela va chercher un profond engagement de la femme. Cela va chercher aussi une connaissance, n'est-ce pas, du cœur de l'homme, parce que on ne peut pas plaire à une personne à sa propre recette. Pour plaire à quelqu'un, il faut faire les choses que cette personne aime, il faut être en train de faire ce que cette personne-là attend de nous, et c'est à ce prix-là, en tout cas, que nous pouvons, n'est-ce pas, toucher le cœur de cette personne et entrer pleinement dans ses bonnes grâces. Il est évident que dans le livre d'Esther, la particularité de Esther a été qu'elle a réussi à retenir l'attention du roi Assyrus au milieu de toutes les nombreuses candidates qui étaient là. Et comment est-ce qu'elle y est arrivée? Nous sommes en train de le décortiquer pas à pas, mais ce qui est sûr, c'est que dans l'ensemble des choses que Esther a faites, elle a touché le cœur d'Assyrus. Alors, qu'est-ce que les hommes attendent des femmes, ou qu'est-ce que l'homme de ta vie attend de toi? C'est maintenant. Voilà la première chose qu'il attend de toi. Je viens de... Aïe, aïe, aïe. Bon, les sœurs, on va tricher un peu. Parce que ça là, je ne voulais pas répondre ça tout de suite. Tu veux savoir ce que c'est? J'ai déjà jeté dedans. Alors, on va tirer à nouveau. Parce que je ne voulais pas introduire le débat sur ce sujet. On va avancer un peu, j'espère. Ah, mais bon, c'est vrai qu'il faut faire confiance au Saint-Esprit. Bon, pardonne-moi, Seigneur. OK, voilà, donc on y va. On va prendre un autre bout de papier. Faisons confiance au Saint-Esprit. Nous croyons que le Seigneur nous permettra de... Voilà, tirer chaque fois l'élément qui va venir être une bénédiction dans la vie de plusieurs femmes qui sont en ligne ce soir. Alors, qu'est-ce qu'un homme attend de sa femme? Premier point que nous allons aborder ce soir, il veut une amie,
une campagne de jeu et de détente. Voilà, donc je sais que tu as commencé à sourire. Voilà, c'est un élément très, très important. Et c'est la base même du mariage, c'est la base de la relation en général et de la relation entre un homme et une femme en particulier. Nous savons très bien que l'une des choses pour lesquelles le Seigneur a suscité à Adam, Ève, c'est le fait que Adam était seul. Mais le seul dont il s'agit n'était pas un seul absolu. Adam était dans le jardin. Lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il est apparu dans le jardin n'était pas du tout désertique. Il faut le savoir. Le jardin n'était pas désertique. Il y avait tous les animaux que le Seigneur avait créés. Et si on s'en tient à l'échange qu'il y a eu entre la femme et le serpent, on peut imaginer donc qu'à cette époque-là, l'homme communiquait avec les animaux, l'homme avait la capacité de parler certainement avec le règne animal. En tout cas, il y avait une communication possible, semble-t-il. Mais malgré cette communication, malgré le nombre d'espèces et d'individus qui étaient dans le jardin, il y a une chose qui était évidente dans la vie de Adam et que Dieu a remarqué, c'est qu'il était seul. Il se sentait seul. Alors Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. En disant je lui ferai une aide semblable, la première chose à laquelle Dieu voulait répondre, c'était de donner à Adam une amie, une partenaire de vie, un vis-à-vis, quelqu'un avec qui il pourrait échanger, se comprendre et pourquoi pas passer du bon temps, du bon moment. Alors, il faut savoir que dans un couple, lorsqu'il n'y a pas d'amitié entre les conjoints, entre les époux, ce couple-là est presque voué à l'échec. C'est un couple qui ne sera ni solide ni heureux parce que l'amitié est l'un des fondements de la relation conjugale ou tout simplement de la relation amicale. Voilà. Donc, si tu es fiancé, il faut savoir que l'homme avec lequel tu chemines recherche une amie, une compagne de jeu et de détente. Malheureusement, il arrive que souvent dans les couples, les conjoints ne sont pas des amis. Il est absolument nécessaire que les conjoints soient des amis. Et en fait, le couple idéal, ou je dirais la relation idéale, c'est celle-là qui s'est bâtie justement sur l'amitié. En tout cas, la genèse idéale d'un couple, c'est que ce couple-là ait commencé d'abord par une relation amicale. En fait, si tu es en train de cheminer avec quelqu'un, si tu es dans une période de fiançailles avec un homme, assure-toi de trouver les clés pour être ami avec cette personne-là. L'amitié a ceci d'avantageux, c'est qu'on pardonne beaucoup de choses à un ami ou à une amie. Voyez, quand on est ami, on est moins rigoureux que lorsque on est dans un autre type de relation. Alors, si tu es ami avec ton conjoint, tu vas te rendre compte que la vie sera beaucoup plus facile parce que il va tolérer beaucoup de choses qui peuvent être comme des défauts ou des insuffisances dans ta vie. Alors, l'amitié va consister à quoi? Va consister à avoir une relation de complicité. Ça va consister à être à l'écoute l'un de l'autre. Ça va consister à échanger des paroles amicales, à avoir des attitudes amicales, voyez. Il est dit, par exemple, que concernant Abraham et Sarah, une fois, alors qu'ils étaient peut-être à la fenêtre de leur maison, le roi Abimélec les a vus échanger. Il les a vus échanger et la Bible dit qu'ils étaient en train de
plaisanter ensemble. Voyez. Donc, la plaisanterie, en fait, le fait de pouvoir plaisanter, de pouvoir se taquiner, de pouvoir se faire des blagues, relève en fait de l'amitié. Donc, ma sista, tu dois savoir que si tu veux garder la couronne de reine, tu dois restaurer la relation amicale entre ton conjoint et toi, si elle existait auparavant. Et si elle n'a jamais existé, tu dois tout faire pour que vous puissiez devenir des amis. C'est-à-dire que vous ayez des moments de partage ensemble, des temps de jeu ensemble, des temps de complicité amicale, une belle amitié garantie, un beau couple garantit la solidité du mariage et garantit la couronne sur la tête de la reine que tu es. Voilà. Donc, il faut prendre le temps de se rapprocher de ton conjoint, de te rapprocher de ton fiancé si la distance avait commencé à se créer parce que, au fond, l'homme recherche une amie. Et quand l'amitié manque dans le couple, c'est l'une des raisons qui va justifier le fait que l'homme soit constamment dehors ou qu'il aime en tout cas être loin de la maison. Alors, quels sont les éléments qui vont venir ronger l'amitié, qui vont venir s'opposer à l'amitié? Il y a les plaintes constantes, il y a un esprit de dispute, l'esprit de querelle et de dispute, il y a propension à toujours vouloir régler des choses. Il y a aussi le fait d'être trop sérieuse. Voilà, si tu es trop sérieuse, que tu ne sais pas te détendre, tu ne sais pas t'amuser, tu ne sais pas plaisanter, alors tu auras du mal à développer une relation amicale avec ton conjoint. Il est vrai qu'il y a, à contrario, des hommes qui sont aussi très, très sérieux, qui ne sont pas forcément de bons amis, mais en tout cas, ce que tu dois savoir, c'est que la plupart des hommes recherchent une amie, une confidente, une complice dans la personne de leur épouse. Et si tu es cette personne-là, alors tu peux être sûr que la relation va se solidifier, va se consolider. Si ton conjoint, ton fiancé, ton mari est du type non amical, ça sera à toi de trouver des astuces pour développer une amitié avec cet homme-là. Voilà, donc il est très important que vous soyez unis par un sentiment amical avant même le sentiment amoureux. Dans ce cas-là, le couple sera solidifié et l'amour n'en sera que plus renforcé. Que Dieu te bénisse abondamment, développe l'amitié avec ton conjoint, trouve des jeux que vous pourrez faire ensemble, des blagues que vous pourrez échanger, des habitudes que vous pourrez développer en tant qu'amis. C'est très, très important. Et tu verras qu'il sera plus souvent à la maison, il aura plus souvent envie d'être avec toi qu'avec une autre personne. Amen. Amen. On va donc continuer pour ce soir, parce que je pense qu'on a vraiment beaucoup de choses à échanger. Voilà, donc je continue à chercher le papier que nous allons tirer. Il est là. Merci Fabrice pour le tempo du suspense. Waouh! Bon, je crois que vraiment ça là, ça doit être une question très, 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 très importante. Ou je dirais un désirata très, très important chez les hommes. En fait, ça l'est. Alors, donc, le papier que j'ai tiré dit « Il veut... » Je peux vous laisser lire, hein? Il veut une bonne partenaire sexuelle. Il veut la satisfaction sexuelle. Bon, on y est. J'avais espéré que cette question-là ou ce point particulier viendrait à la fin, mais on va l'aborder. Ça nous laisse justement le temps de pouvoir en parler. Les filles, il faut savoir que la vie sexuelle est
un élément fondamental du couple. Lorsque un homme se met avec une femme, lorsqu'il épouse une femme, c'est vrai, il y a beaucoup d'autres choses qu'il recherche et donc on est en train de les aborder. Mais l'un des éléments les plus importants, c'est celui-là. L'homme recherche une partenaire sexuelle, sinon il ne serait pas marié, sinon il ne serait pas en train de se fiancer, il serait resté simplement avec les amis. Qu'est-ce que le conjoint, l'épouse, va apporter à un homme que personne d'autre ne pourrait lui apporter? C'est justement ce point-là. Alors, ma chérie, je veux te dire que ça, c'est ton point. C'est vraiment le point sur lequel tu ne dois pas négocier, tu ne dois pas te lâcher, tu ne dois même pas lâcher du lest. Mais malheureusement, nous devons nous rendre à l'évidence, c'est même le point sur lequel la plupart des femmes échouent. C'est le point sur lequel la plupart échouent, alors que c'est justement celui-là qu'il ne faut absolument pas céder. L'homme, lorsqu'il se marie, lorsqu'il a sa reine avec lui, il recherche une chose très, très importante, c'est une partenaire sexuelle, c'est la satisfaction sexuelle. Je sais que pour beaucoup de couples ou pour beaucoup de personnes, ça reste une question taboue, mais la vérité, c'est que beaucoup de conflits dans les couples, beaucoup de séparations, en réalité, trouvent leur source dans ce point-là, c'est-à-dire dans l'insatisfaction sexuelle des conjoint. C'est vrai qu'on a dit que c'est un point que l'homme attend de sa femme, mais au fond, il n'y a pas que les hommes, hein, même si c'est le point qui revient le plus souvent dans ce que les hommes attendent, mais il faut reconnaître que les femmes aussi ont besoin d'avoir de bons partenaires sexuels, ont besoin d'avoir de la satisfaction sexuelle. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 7, le verset 5. 1 Corinthiens 7, 5 nous dit ceci: ne vous priviez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Il est bien entendu que nous parlons ici à des femmes chrétiennes. En tant que femme chrétienne, la prière doit être au cœur de ta vie. Et ce texte de 1 Corinthiens dit que même la prière qui doit être ta respiration en tant que femme en Christ ne doit pas venir s'opposer comme un obstacle à la vie sexuelle dans le couple. Et la parole de Dieu nous donne ce conseil: ne vous privez point l'un de l'autre. Cela signifie que le couple, la vie de couple, n'est pas l'endroit où il faut faire l'économie de la sexualité. Ce n'est pas l'endroit où il faut faire le jeûne de la sexualité. Ce n'est pas l'endroit où il faut faire, le jeûne intermittent ou bien des programmes à longue distance, etc. Voilà, il y a beaucoup de femmes en fait, et cela revient souvent, qui d'une certaine façon méprisent la satisfaction sexuelle de leur conjoint dans le couple. C'est un jeu très très dangereux. C'est un jeu très très dangereux et beaucoup vont avoir ce langage-là, mais pourquoi toujours ça? Pourquoi toujours ça? Je pourrais te poser la question de savoir pourquoi est-ce que tu respires toujours? Tu n'arrêtes pas de respirer? Est-ce que tu arrêtes de manger au-delà de tes temps de jeûne que tu te donnes? La nourriture est nécessaire pour ton corps. De la même façon, il faut savoir que la sexualité est nécessaire pour le corps de l'homme. Et la vérité, c'est que c'est un point qui va être capital dans l'attachement que l'homme va avoir pour sa femme. Plus un homme aura de la satisfaction sexuelle dans son couple, plus il sera attaché à sa femme. Moins il y aura cette satisfaction sexuelle, moins il sera attaché à sa femme. Or, c'est justement le point que les femmes marchandent
beaucoup. Beaucoup de femmes vont utiliser la sexualité comme monnaie d'échange avec le conjoint. Ça peut fonctionner pendant un moment, mais il faut savoir que c'est une monnaie qui ne va pas avoir cours longtemps. Elle va vite perdre de la valeur. Elle va perdre de la valeur, elle va se dévaluer. Parce que quand ce chantage va dépasser un certain niveau, en fait, l'homme aussi va se fermer. En tout cas, te concernant, il ne va plus attendre quoi que ce soit. Et s'il est bien converti, il va rester dans le couple avec sa frustration et il va te montrer sa frustration ailleurs, d'une autre façon. Ça va donner un mari qui va devenir méchant, violent, avare, aigri, tout ce que tu veux. En tout cas, si tu as un mari qui développe ce genre de caractère, pose-toi la question de savoir s'il y a la satisfaction sexuelle dans sa vie. Voilà. Et si l'homme n'est pas profondément converti, alors ça va ouvrir la porte à l'infidélité et des étrangères vont trouver là la brèche justement pour venir s'infiltrer dans ton couple. Bien-aimé, tu dois travailler à la satisfaction sexuelle de ton mari. Ce n'est pas un élément secondaire, c'est un élément capital, c'est un élément prioritaire dans la vie de couple. Tu dois t'arranger dans ton programme à toujours garder quelque part dans ta tête de la place pour cette activité. Et non seulement tu dois la mettre au programme, mais tu dois aussi travailler à ce qu'elle soit justement satisfaisante, comme le thème le dit, la satisfaction sexuelle. Nous allons aborder ce thème beaucoup plus en détail dans une prochaine capsule. Et vu que c'est un thème assez sensible, nous allons le développer. Mais ça va donner, en fait, pour pouvoir suivre cette capsule, il va falloir s'inscrire pour recevoir un lien spécialisé, un lien dédié. Voilà, donc on va en parler. Alors, moi, je dis, Esther était avec beaucoup d'autres femmes à aller vers Assyrus. Et Assyrus n'a fait son choix qu'après avoir passé une nuit avec Esther. Alors, en tant que femme, tu dois prendre le temps de te poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant cette nuit-là. Je ne crois pas que Esther avait la plus belle des toilettes, parce que je ne crois pas que la plus belle des robes de soirée, ce soit dans la nuit qu'on la porte, même si elle s'appelle une robe de soirée, on ne la porte pas toute la nuit. Donc, je ne crois pas que ce soit particulièrement la toilette de Esther ou la coiffure de Esther qui ait déclenché, n'est-ce pas, l'assentiment final de Assyrus. Il y a quelque chose que Esther a fait voir à Assyrus cette nuit-là. Dis avec moi, affaire à suivre. Dis affaire à suivre, tu n'es pas d'accord? Amen. Voilà donc, je vais m'arrêter là. La satisfaction sexuelle est très importante dans la vie d'un homme. Et ça fait partie des choses qu'un homme attend de sa femme. Il ne faut pas constamment remettre au lendemain. Il y a des couples dans lesquels, un de nos pasteurs me parlait d'un entretien qu'il a eu avec un frère. Il disait que le frère était venu le voir parce qu'il voulait se séparer de sa femme. Et après de nombreuses questions, le frère a enfin révélé qu'il était soumis à une vie sexuelle une fois par mois. Et que rien qu'à cause de ça, il ne voulait plus de ce mariage-là. Donc, ma sœur, tu comprends que c'est un élément très, très important que nous allons décortiquer dans Secrets de femmes, parce qu'il y a beaucoup de secrets attachés à la satisfaction sexuelle des conjoints. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, donc, nous allons continuer. Chérie, qu'est-ce que tu attends de moi? Alors, tu sais, aujourd'hui, l'un des secrets, c'est la satisfaction sexuelle. Peut-être qu'il y a beaucoup de conflits dans ton couple, il y a beaucoup de bavardages, il y a beaucoup de cris, il y a beaucoup de douleurs. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu te poses la question de savoir si, en fait, le problème n'a pas été à ce niveau-là. Si c'est le cas, tu as encore la possibilité, je pense,
de rattraper le tir si les eunuques ne sont pas passés jusqu'au septième. Voilà, nous allons continuer et je prends un autre bout de papier. Qu'est-ce que tu attends de moi, chérie? Ton chéri attend une femme de bonne moralité, honnête et digne de confiance. Une femme de bonne moralité, honnête et digne de confiance. Les sœurs, vous savez que souvent, on pense que ce qui fait rester une femme dans un couple, c'est sa beauté, peut-être son soin corporel ou vestimentaire. Et certaines aussi pensent qu'il y a la cuisine, le fait de faire des bons repas. Tous ces éléments sont très, très importants, je le confirme, mais la moralité, l'honnêteté sont aussi des éléments très importants dans un couple. En fait, souvent, on n'y prend pas garde. On n'a pas l'impression que être honnête dans le couple, ça compte pour l'homme. Être de bonne moralité, ça compte pour l'homme. Ça compte pour l'homme, surtout les hommes en Christ. Et même si un homme n'est pas en Christ, même si tu as l'impression que dehors, il a tendance à s'approcher des femmes de mauvaise moralité ou à être impressionné par ces femmes. La vérité, c'est qu'aucun homme ne pose la couronne sur la tête d'une femme de mauvaise moralité. Voyez, beaucoup d'hommes vont chercher à passer du temps avec des femmes aux mœurs légères, mais la vérité, c'est que lorsqu'un homme veut bâtir quelque chose de sérieux, lorsqu'il veut trouver sa reine, il cherchera toujours parmi les femmes de bonne moralité. Alors, ma chérie, si tu as eu des conseils qui t'ont fait croire que la plupart des hommes aimaient les femmes aux mœurs légères, aimait les femmes vulgaires, aimait les femmes sans limites, sans bornes, sans mystère, alors c'est un mensonge. Je peux te l'assurer ce soir, tous les hommes de valeur qui ont une couronne à proposer sont des hommes qui recherchent profondément une femme de bonne moralité, une femme digne de confiance, une femme en qui ils peuvent, n'est-ce pas, retrouver des valeurs et une certaine respectabilité. Quand on lit le texte de Proverbes 31 qui nous parle de cette femme-là que la Bible a appelée la femme vertueuse et qui vient d'une certaine façon clore ce livre de Proverbes, on comprend que cette femme-là était une femme particulièrement vertueuse. C'était une femme de bonne moralité. C'était une femme en qui, la Bible dit, son mari pouvait placer sa confiance. Est-ce que ton mari peut avoir confiance en toi? Il y a des femmes qui volent leur mari, qui volent l'argent de leur mari. Il ne faut pas être une femme voleuse auprès d'un homme. Il y a des façons d'emmener un homme à te donner de l'argent. Il y a une façon aussi de faire comprendre à un homme que ce qu'il possède est en communauté de biens et d'avoir au départ son accord pour te servir dans le bien commun, si je peux m'exprimer ainsi. Mais tu ne dois absolument pas être une voleuse dans ton couple ou dans ta relation amoureuse, dans ta relation conjugale. Il y a des femmes qui sont des manipulatrices, qui vont manipuler leur mari, qui vont lui raconter des choses qui ne sont pas selon la vérité pour obtenir certaines choses. Il ne faut pas être une femme manipulatrice. Il faut être une femme honnête. Et quand la femme est honnête, le mari sait qu'il peut compter sur elle. Il sait qu'il peut lui faire confiance et tu verras alors que le mari te confiera même ce que tu n'imaginais pas qu'il pouvait te confier. Moi, je connais des femmes qui gardent les cartes bancaires de leur mari. Pose-toi la question. Est-ce que ton mari ou ton fiancé est prêt à te confier sa carte bancaire les yeux fermés?
Est-ce qu'il est prêt à te donner le code de son coffre fort? Est-ce qu'il est prêt à te laisser son chéquier avec des chèques déjà signés? Si la réponse à cette question n'est pas tout de suite oui, c'est que tu dois faire des efforts sur ta moralité, sur tes mœurs et sur, n'est-ce pas, l'honnêteté que tu, n'est-ce pas, que tu transmets dans ta relation avec ton conjoint. Sois une femme honnête et tu verras que tu seras honorée aux portes parce que ton mari va témoigner de ce que tu es une femme extraordinaire et il pourra te confier des grands secrets, il pourra te confier beaucoup de choses et ensemble, vous allez réussir à bâtir, n'est-ce pas, de grandes choses et entrer pleinement dans la destinée que le Seigneur a prévue pour vous. À la base même, en tant que chrétienne, nous devons être des femmes honnêtes parce que l'honnêteté est un gage de présence du Saint-Esprit. Mais avant même de parler du Saint-Esprit, l'homme qui est à côté de toi a besoin que tu sois une femme honnête. Amen. Les hommes aiment les femmes honnêtes. Nous allons, voilà, prendre un autre papier. Donc, pour finir avec l'honnêteté, ne fais pas les « je retiens » dans l'argent du marché. Ça, c'est chaud, hein? Je ne sais pas si on peut y arriver, quoi. Bon, en tout cas, si tu fais les « je retiens » sur l'argent du marché, débrouille-toi pour qu'ils ne te demandent pas les factures. Parce que s'ils te demandent les factures, les reçus, que tu falsifies les reçus, c'est que tu n'es plus une femme honnête. Si tu as fait les « je retiens », quand t'as attrapé, faut avouer, c'est mieux, tu vois. Mais c'est vrai qu'en tant que femme, tu dois avoir tes méthodes de gestion, de, voilà, des biens du foyer, mais honnêteté dans tout ça. Que Dieu te bénisse. Alors, chérie, qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux de l'admiration, voilà. L'homme attend de sa femme de l'admiration. Voici l'une des choses que les hommes attendent de leur femme. L'admiration. Qu'on pourrait combiner avec le respect. C'est vrai, le respect et l'admiration. Mais il y a une petite nuance quand même entre le respect et l'admiration. On peut être une femme qui respecte son mari sans l'admirer. Vous voyez, sans l'admirer. L'admiration, c'est vraiment ce sentiment d'émerveillement, cette capacité à pouvoir dire « waouh » devant l'homme de sa vie, à le trouver extraordinaire. Vous voyez, il y a beaucoup d'hommes autour de soi, mais c'est cette capacité-là à voir dans l'homme que le Seigneur t'a donné le meilleur, la meilleure version d'homme. Admirer ce qu'il est, admirer ses capacités, admirer d'une certaine façon ses faiblesses aussi, voilà. Donc ça, ce n'est pas forcément évident. Beaucoup de femmes vont avoir plus de facilité avec le respect parce que respecter, c'est, je dirais, ça vient de l'éducation. Si une femme a reçu une bonne éducation, elle va avoir une facilité à respecter l'homme de sa vie. Quoique, il y a des femmes qui sont carrément irrespectueuses. Si tu es une femme irrespectueuse, il faut savoir que tu auras du mal à garder la couronne de reine dans ta relation avec ton Adam ou ton Assyrus. Tu manques de respect, c'est-à-dire que tu élèves la voix sur l'homme quand tu veux. Tu n'écoutes pas quand il te parle. Tu lui réponds 10 quand il dit 1, tu l'injuries, tu le dénigres en présence de personnes étrangères. Tout ça, c'est le manque de respect. Il y a des femmes qui ont même des gestes désobligeants à l'endroit de leur conjoint et après de tels comportements, elles s'attendent à être les reines du cœur de ces messieurs. Ce n'est pas
possible. Voilà. Je sais que des fois, les hommes font des choses vraiment qui donnent juste envie de leur manquer de respect. Mais parce que tu es une princesse du Seigneur, parce que tu es une reine, parce que Dieu t'a couronnée, tu dois garder justement ces valeurs dont le respect du conjoint. Même si tu as épousé un homme plus jeune que toi, le fait d'avoir accepté d'épouser cet homme-là t'oblige au respect. Tu dois le respecter. Voilà. Tu dois le respecter, tu lui dois respect. À partir du moment où on est marié avec un homme, ce n'est plus une affaire de grand frère ou petit frère. Peu importe, la Bible dit que l'homme est le chef de la famille et tout chef a besoin de respect. Maintenant, au-delà du respect, il y a le côté admiration. Alors, les hommes, ils aiment les femmes qui les admirent. La Bible dit que notre mère Sarah appelait Abraham son Seigneur. Ce n'est pas qu'Abraham ne faisait pas des choses bizarres. Ce n'est pas qu'il ne faisait pas des choses qui brûlaient des fois le cœur de Sarah. Mais la Bible dit qu'elle le respectait tellement qu'elle appelait son Seigneur et elle admirait son mari. Toi aussi, tu dois pouvoir admirer ton mari. Si tu l'as épousé, c'est qu'il y a forcément des éléments que tu admires chez lui et tu dois donc exalter ces éléments d'admiration. Tu dois les lui dire. Voilà. Donc, moi, je dis comme ça aux femmes de montrer à leur mari qu'ils sont les héros de leur vie. Tu vois, il faut reconnaître toutes les bonnes choses qu'il fait dans ta vie. Des fois même s'il soulève quelque chose qui est un peu lourd, dis-lui combien tu admires sa force, sa capacité, tu vois. Même des fois, quand il réussit à te donner de l'argent pour ci ou pour ça, c'est l'occasion de devenir une griotte, ma chérie. Tu vois, ne laisse pas le travail de griotte à d'autres personnes. Tu dois être la première griotte de ton mari. Tu vois, non, la partie où tu fais son atalakou, tu le loues pour ceci. Ah, mon chéri, tu es comme ci, tu es comme ça, mon chéri. Oh, non, toi seulement, quand tu es dans la place, il n'y a rien qu'on peut faire. Tu vois, trouve des mots et trouve le moyen d'admirer ton mari. Si tu as trop de points de désaccord, si en regardant ton mari, tu ressens un sentiment autre que l'admiration, alors tu dois absolument te mettre devant le Seigneur parce que tu es dans une position qui va venir fragiliser ta relation avec ton conjoint. L'homme a besoin d'une femme qui l'admire. Si tu admires ton mari et que tu ne manques pas de le lui dire et de le dire à toutes les personnes qui sont autour de vous, je t'assure que lui aussi, il va t'admirer en retour et tu seras très, très bien positionné dans son cœur et la couronne sera aussi très bien positionnée sur ta tête. Voilà, que Dieu te bénisse abondamment. Prie le Seigneur qui te donne un esprit, qu'il oriente tes regards sur des points particuliers de ton conjoint, de ton fiancé, de ton cheminant que tu vas admirer. Tu vois, l'admiration, c'est pas le mensonge non plus. Il ne s'agit pas de mentir à cette personne-là. On a parlé tout à l'heure de l'honnêteté. Il s'agit en fait d'identifier des points, des forces de cet homme-là et de les exalter comme une bonne griotte. Alléluia, voilà, que Dieu te bénisse abondamment. On a fait le tour, je pense qu'on a évoqué 4 points, il en reste encore 2, seulement notre temps est écoulé et je ne sais pas si Nadia, la régie, me donne la possibilité de développer un point encore. Je peux? Ok, bon, voilà, on nous a donné un peu de temps. Ah, c'est chaud, les filles. Ok, alors, qu'est-ce que nous avons tiré? Donc, ça sera notre dernier point de ce soir. Qu'est-ce que tu attends de moi, chérie? L'homme de ta vie veut une femme attirante. Une femme attirante. J'ai presque envie de dire que ça va de soi.
voyez, ça va de soi. S'il y a un homme dans ta vie, il t'a aimé parce que tu l'as attiré sur quelque chose et il est très important de garder ce capital-là. Voilà. Il ne faut pas perdre en tant que femme son charme. Voilà. Le charme, l'attrait qu'on a eu dès le départ auprès de son mari. Beaucoup de femmes, une fois couronnées ou une fois installées dans le foyer, vont négliger cette réalité-là. Voyez, on vit avec l'homme, on se dit voilà, c'est bon, c'est acquis, et on va plus faire d'efforts pour rester une femme attirante. C'est une grave erreur, les filles. C'est une grave erreur que nous devons corriger. La femme qui règne dans sa maison, qui règne dans le cœur de son conjoint, la fiancée qui va réussir à se faire couronner et à garder la couronne, est celle-là qui sait rester attirante, qui sait rester belle, pleine de charme, qui sait plaire comme on l'a développé les semaines passées, parce que les hommes aiment que leur femme soit attirante. Cela signifie que tu dois prendre soin de toi et veiller sur le charme que tu vas développer, tu vas dégager, pardon. Ce n'est pas une question de moyens financiers, on l'a toujours dit. C'est une question de décision, c'est une question de volonté. Je prends la décision en tant que femme de ne pas laisser mes cheveux en bataille dans la maison. Je prends la décision en tant que femme de ne pas toujours être habillée quand je rentre dans la maison, de ce vieux boubou que je porte depuis plus de 5 ans dans la maison. Parce que vous savez, il y a des femmes qui ont un seul boubou de maison ou 2 maximum. Ce qui est sûr, le mari n'a qu'à se débrouiller avec ça. Vous voyez, non. L'homme de ta vie veut que tu sois attirante. Alors, tu vas payer le prix pour ça. Il y a des femmes qui vont trouver que c'est du superflu de veiller à sa coiffure, de veiller à sentir bon, de veiller à avoir toujours un petit côté agréable, un petit côté attirant, etc. C'est très, très important pour pouvoir garder la couronne sur sa tête. Tu dois être attirante le jour, tu dois être attirante le soir, tu dois être attirante, si c'était possible, au réveil. Dis avec moi, amen. Comment on fait? Il y a beaucoup de tutos, il y a beaucoup d'ouvrages. Sois une femme qui cherche, documente-toi, cherche, voilà, écoute des émissions comme Secrets de femmes et découvre comment tu peux rester une femme attirante, parce que c'est un élément très, très important pour l'homme que tu as épousé. Amen. Voilà, donc ce soir, je pense que par la grâce de Dieu, nous avons fait le tour de plusieurs points que les hommes recherchent chez la femme de leur vie. On a parlé de la nécessité d'être une amie. Donc, ce soir, il y a un secret dans l'amitié. Tu dois saisir l'amitié avec ton conjoint. Il y a un secret dans le fait d'être une bonne partenaire sexuelle. Il y a un secret dans le fait d'être toujours une femme attirante. Il y a un secret dans le fait d'être une femme pleine de moralité, de bonnes mœurs, d'être une femme honnête. Voici, bien-aimé, les points que ton homme attend de découvrir chez toi. Si tu t'es relâché sur ces différents points, si tu as barré certains de ta liste de nécessités, si tu as pris des options abandon sur certains de ces points, alors tu dois te ressaisir, tu dois récupérer tous ces éléments et t'assurer de les mettre en place, et tu verras que l'attitude de ton mari, l'attitude de ton fiancé, les nombreux palabres qu'il y a dans votre maison vont commencer à diminuer, parce que tu seras en train d'être le type de femme
que chaque homme recherche. Voilà, donc si tu as été béni, tu vas acclamer le Seigneur pour tous ces secrets que le Seigneur nous a donnés pour secrets de femmes ce soir. Et nous allons baisser la tête ensemble pour prier. La Bible dit que nous sommes heureuses si nous savons ces choses ou si nous entendons ces choses, pourvu que nous les pratiquions. Nous avons besoin de mettre la parole de Dieu en pratique. Nous avons besoin d'être ces femmes spéciales, ces femmes qui, comme Esther, saisissent le règne et le conservent jusqu'au bout. Secret de femme est là pour que l'Esprit de Dieu parle à nos cœurs. Et si Dieu t'a parlé ce soir, on a parlé de plusieurs points. Je ne sais pas quel est le point sur lequel tu es en échec. Je ne sais pas quel est le point sur lequel tu es en baisse de performance. Je ne sais pas quel est le point que tu as négligé jusqu'à ce jour, mais peut-être que c'est là le nœud de la situation que tu vis en ce moment. C'est peut-être là ce qui crée, n'est-ce pas, la disparition, la dissolution de la complicité, de l'amitié, de l'intensité de la relation avec ton conjoint. Alors tu vas baisser la tête et laisser le Saint-Esprit parler à ton cœur. Alléluia. Nous voulons élever la voix. Parle à Dieu. Tu peux élever la voix. Tu peux parler dans ton cœur. Mais je veux t'inviter ce soir à te tourner vers le Seigneur. Tourne-toi vers ton Dieu et demande-lui de parler à ton cœur. Seigneur, sur quoi est-ce que j'ai flanché? Quel est l'élément que je n'ai pas validé? Qu'est-ce qui justifie cette situation d'absence de passion, cette situation de refroidissement dans ma relation avec mon conjoint? Pourquoi est-ce que cette distance s'est créée entre nous? Seigneur, peut-être que la réponse est dans l'un de ces points que nous avons évoqués ce soir. Parle à mon cœur, ô Dieu vivant. Parle à mon cœur, Papa. Parle à mon cœur, ô Seigneur. Parle à mon cœur, Père. Parle à mon cœur. Oui, tu sais. Tu sais. Seigneur, tu sais. Parle à mon cœur. Et je voudrais t'encourager, bien-aimé, à recevoir la parole du Seigneur. Si Dieu t'a parlé sur l'un de ces points, nous n'avons pas été longues. Nous n'avons pas forcément dit beaucoup de choses, mais l'essentiel a été dit. Ces éléments-là sont très, très importants. On a parlé la semaine dernière de l'esprit doux et paisible. Cette semaine, nous avons parlé de l'amitié. Es-tu dans une relation amicale avec ton mari? Est-ce que tu admires ton conjoint? Je veux peut-être parler à un homme ce soir qui est en train de suivre cette capsule. C'est vrai que ce sont les points qu'un homme recherche ou attend de voir manifester dans la vie d'une femme. Mais toi-même, en tant qu'homme, est-ce que tu as validé ces points concernant ton épouse? Parce que ce que les femmes attendent des hommes n'est pas loin de ces points-là. Les femmes aussi ont besoin d'amitié. Elles ont besoin de complicité avec leur conjoint. Elles ont besoin d'un homme honnête, aux bonnes mœurs, un homme en qui elles peuvent avoir confiance. Elles ont besoin, elles aussi, d'un bon partenaire sexuel. Oui, les femmes aussi ont besoin d'être, n'est-ce pas, au cœur des préoccupations de leur conjoint. Alors, si toi-même, en tant qu'homme, tu ne valides pas ces points. La Bible dit que nous ne devons pas nous attendre à recevoir si nous ne savons pas nous-mêmes donner. Ouvrons nos cœurs. Ouvrons nos cœurs à nos conjoints. Et laissons Dieu nous façonner. Laissons le Saint-Esprit nous façonner afin que nous soyons un bon mari, une bonne épouse. Que nous puissions valider ces points, que l'un
et l'autre attendent de voir manifester dans la vie de leur moitié. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu fais. Parle à nos cœurs, Papa. Et merci de guérir une personne. Merci de délivrer une personne qui ne savait pas être une amie. Merci de délivrer une personne de la fausseté, de la manipulation. Merci de délivrer une personne, ô Dieu de gloire, du manque d'admiration, du manque de respect, ô Dieu vivant. Merci, Papa. Glorifie ton nom, Père. Agis en nous, ô Dieu. Et que tous les couples, tous les foyers, Papa, soient consolidés dans le nom de Jésus. Que la paix de Dieu rejoigne les foyers. Que les foyers en difficulté soient restaurés. Que les couples, ô Dieu, qui étaient en ballottage, qui étaient en voie de se séparer, Papa, puissent se donner une nouvelle chance, une nouvelle possibilité, Seigneur, de réussir, ô Dieu, cette course, de réussir cette aventure du mariage, de la vie à deux, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, notre Père, pour tout ce que tu fais, au nom de Jésus. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Seigneur, nous voulons plus de toi, Papa, dans notre façon d'être. Ô Père, viens donner de la flexibilité à une femme qui était devenue trop rigide, Papa. Viens sortir une femme qui s'était enfermée, ô Dieu, qui s'était retranchée dans sa caverne, Papa. Oh, reconstruis ce soir. Plus de toi, Papa. Plus de toi. Viens redonner des mots d'admiration dans la bouche de ceux qui en manquaient depuis un moment, Papa. Viens redonner de l'attention, de la douceur, oh Dieu, à des personnes qui n'étaient plus attentionnées, qui n'étaient plus doux, oh Dieu de gloire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oui, Père, plus de toi dans les foyers, plus de toi dans les couples, Papa, au nom de Jésus. Plus de toi, Papa, plus de toi et moins d'orgueil, oh Dieu. Moins de vanité, Papa, moins de méchanceté, Père, moins de rancune, ô Dieu de gloire, sinon plus de rancune, Papa, mais plus de toi, Seigneur, au nom de Jésus. Femme extraordinaire, sois bénie, sister. Tu vois que toutes les recettes te sont données pour être une femme qui règne dans sa maison, qui règne dans sa relation. Et je prophétise que les ossements desséchés retrouvent vie. Tous les couples qui n'avaient plus de saveur, qui n'avaient plus de jus, qui n'avaient plus de vigueur, qui n'avaient plus de vitalité, sont restaurés ce soir dans le nom de Jésus.
Alléluia. Voilà, donc nous sommes au terme de notre rencontre de ce soir et je vais me tenir debout pour finir cette soirée. Je voudrais t'inviter à faire une offrande, voilà, à Secret de Femme, si tu as été béni par cette capsule. La Bible dit que nous ne devons pas venir dans la maison du Seigneur les mains vides. Et ce soir, dans cette chambre des secrets que le Saint-Esprit a préparée pour nous, nous avons encore découvert des secrets. Beaucoup parmi nous ne savaient pas ces choses avant de se marier. Mais maintenant que nous les savons, nous allons mettre en pratique et nous allons sceller notre victoire par une offrande. Pour toutes les personnes qui sont en cheminement, qui sont dans des fiançailles, voilà, vous avez le privilège de connaître les secrets avant d'entrer dans votre couple. Et je suis sûre que le Seigneur vous donnera la victoire, vous donnera des couples épanouis pour la gloire de son nom. Et rien que pour ça, faites une offrande à la gloire du Seigneur. Voilà, que Dieu te bénisse abondamment. Merci d'avoir participé ce soir avec moi à ce temps de partage, de prière aussi. Et nous voulons donner rendez-vous pour les vendredis prochains. Le vendredi prochain, nous allons aborder un sujet très, très important aussi. C'est celui de savoir, en tant que femme, qu'est-ce que je dois faire si mon mari me casse la tête. On a beaucoup parlé de la responsabilité de la femme, de ce que l'homme aime, de ce que l'homme veut. Mais quand c'est l'homme qui prend la tête, quand c'est l'homme qui est, comme quelqu'un dirait, ennui, qu'est-ce que la femme doit faire? Rendez-vous vendredi prochain à Secret de Femme. Que Dieu te bénisse abondamment.